Alors, toujours sur trace de l'histoire de l'époque esclavagiste, là, on est dans le village de Cienfuegos. Et actuellement, on est en fait dans un des points d'embarquement d'esclaves pour les Amériques. Donc, là, vous avez cet instrument qui servait à tirer et à pousser les bateaux vers l'eau, en fait, avec les esclaves pour les embarquer vers l'Amérique. Donc, village Cienfuegos. Toujours vers Moanda. Le village est praticable, hein. Vous pouvez venir en voiture ou à moto. Nous, on est venu à moto depuis Moanda. On fait le tour comme ça. Voilà le village. Alors, là, on est à Moanda village. On visite la marmite des esclaves. C'est un petit musée qui est en train d'être bâti en fait pour conserver les derniers vestiges qui nous restent au Congo qu'il y a l'esclavage en fait. Donc vous avez là la marmite des esclaves qui en servait pour faire la nourriture avant que les esclaves soient embarqués. Et là vous avez des chaînes qui étaient à la base des chaînes d'ancrage de bateaux et dont ils se sont servis pour en fait attacher les esclaves avant d'être embarqués.